chers Adelphes. Bonjour, rebonjour. Boxaxor enchaîne les discussions profondes. Cela nourrit son âme et j'espère que cela nourrit la vôtre. Maintenant, nous avons une âme enchantée, enchanteresse. Il s'agit de Rosa Rocacera, de Denise and the Roses. Je n'en dis pas plus, je l'appelle. Rosa, es-tu là? Je crois qu'elle est là. Je l'entends frapper à la porte du temple. J'ouvre la porte. Attention, et sous vos yeux ébahis. Rosa va oui. apparaître. Coucou. Alors, comme... Ça va? Je me vois oui, pas. Oui, tu es là, tu es dans le... Tu ne te vois pas comme hier. Non, comme hier. Mais ça va arriver, je pense. Oui, nous, on te voit, en tout cas. Par contre, tu es un peu comme un... Un peu près. Ah. Oui, tu es assez saccadé. L'image est saccadée, mais le son est parfait. D'accord. Bon, on fera avec le son, alors. Normalement, ça devrait fonctionner un petit peu. Oh, c'est marrant, tu es toute blanche. Il y a du blanc autour de toi. Tu as un t-shirt blanc et moi, je suis toute noire. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Rosa? Bah, ça va. Écoute, ça va. Ça va, c'est marrant. D'accord, ok. On a un décalage, donc il va falloir discuter avec ce décalage. D'accord. Ok, on va essayer. Donc, comment vas-tu? Écoute, ça va. Entre musique et préparation de sortie, etc. Déconfinement, ça va. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Peux-tu dire aux Adelphes ici présents et présentes qui tu es, chère oui. Rosa? Alors, je suis Rosa, je suis chanteuse et guitariste pour Denise and the Roses. C'est un projet que j'ai commencé l'année dernière, en 2019. Et qui est un projet que j'appelle Hysterical Blues. Voilà. Le mieux, c'est d'écouter parce que je pense que le son parle plus de lui-même. Et c'est un projet que je produis aussi avec deux amis qui sont à Manchester et qui s'appellent Nico Di Giacomi et Seymour Orson. Voilà. Et qui se fait entre Manchester et Paris et la Corse aussi. Et puis à côté de ça, moi je suis sur plusieurs projets. Déjà je travaille sur mes clips toute seule pour l'instant. Et puis j'ai un projet qui s'appelle Residenza aussi, qui est une mise en relation d'artistes, donc une plateforme qui attend patiemment mais avec excitation d'être réalisé en réel et non de rester qu'en virtuel. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, parce que aujourd'hui nous sommes le 14 mai, n'est-ce pas? Et justement, quand on s'est proposé cette date pour cette discussion profonde, on s'est dit, ah, mais le 14 mai, normalement, il n'y aurait pas eu confinement, il n'y aurait pas eu crise du Covid. On aurait fêté justement l'ouverture de cette résidenza. Ouais. Et on aurait fait la fête ensemble. C'est ça. Ça devait être notre soirée de lancement. Mais bon, c'est une partie remise. Et puis après, on aménagera les choses en fonction aussi de ce qui se passe. Oui, et alors juste pour dire, cette soirée de résidenza qu'on devait faire aujourd'hui, moi ce que j'ai adoré, c'est qu'elle allait allier donc musique avec des DJ sets et de la bonne nourriture corse.
C'est ça. Le principe était de faire découvrir aussi des produits du terroir et aussi des DJ et groupes émergents. Voilà. Donc, dont Vox Axxov était l'invité. Et puis on souhaitait continuer en fait dans cette lancée aussi. C'était une première soirée, mais ensuite il y en aurait d'autres, mais il y en aura d'autres d'ailleurs. Donc voilà, on est en train de préparer tout ça et c'était en fait l'occasion de présenter ce projet qui est un projet de résidence artistique qui mêle plusieurs disciplines artistiques, notamment l'illustration, la musique, la cuisine, qui est une discipline artistique. Voilà. Et aussi à terme, pourquoi pas la danse, la performance. Voilà. C'est assez ouvert. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien. J'aime On aime bien, bien j'aime mettre. bien. D'ailleurs, voilà. Moi, ce que je trouve super d'allier à César la cuisine, c'est que, bon, déjà, je l'avoue, j'adore manger. Pour moi, c'est très, très important. Et je crois qu'on se rejoint là-dessus, toi et moi. On aime beaucoup manger. Ouais. Oui, Chacha. Je ne sais pas, dans cette envie d'allier la musique et la nourriture, en plus c'est de la nourriture plutôt populaire qui a l'air pas très compliquée à faire. Avec Residenza, vous présentez aussi des recettes de cuisine du terroir, enfin, c'est super. Et il y a cette idée de partager un bout de pain ensemble. Et je trouve ça super, vraiment je trouve ça super. Et d'ailleurs, ton premier... Le premier single que tu as sorti avec Guns N' Roses, ça parle de bouffe. Oui, c'est très présent dans ma vie. Mais en plus, c'est vraiment la bouffe jusqu'à l'écœurement, remplir le vide. Et c'est super. Est-ce que tu peux parler un peu du clip que tu as fait pour cette chanson qui s'appelle Breakfast After Midnight? Tu peux même l'appeler BAM, parce que c'est Bam, BAM. bam. Oui, ce clip, par exemple, pour le coup, je l'ai fait toute seule avec des conseils, avec de l'aide extérieure, mais j'ai filmé toute seule. Et je me suis filmée en train de manger, en train de me remplir, plus exactement, de façon assez brute, assez brutale. Et en fait, c'était d'un point de vue littéral, on va dire, c'était juste une histoire de manger jusqu'à plus en pouvoir, quoi. Après, au-delà de ça, c'est comment on fait face au vide en réalité, comment on fait face à l'absence aussi, au manque, même je parle du manque physique, je parle de l'addiction. Voilà, donc on a tendance à vouloir se nourrir, se nourrir, se nourrir. Jusqu'à en vomir, parfois. Et je suis pour le coup fière de ce film parce qu'il a, comment dire, il a beaucoup de vérité, en tout cas pour moi. Il a beaucoup de vérité pour moi Je pense et que... Oui. Non, Vas-y. non, non, non. Alors, il y a Bon, un décalage. avec le décalage, C'est pas c'est facile. dur. Est-ce que c'est C'est pas possible grave, on va y arriver. On va y est-ce que arriver. tu veux, on peut arrêter et reprendre? Je sais Je pas. pense que ça sera quand même comme ça. Ça sera Ouais, quand même. ça l'a fait hier aussi. Hier, il y a eu D'accord. une discussion profonde, c'était comme ça. Il faut juste s'habituer. Et D'accord. ouais, moi, ce que j'ai trouvé très touchant dans ce livre, c'est qu'on ait des troubles ou pas du comportement alimentaire, on se reconnaît vraiment dans cette personne qui mange ou qui boit à outrance ou qui travaille à outrance. Enfin, c'est un peu tout ce thème des addictions pour combler un manque et passer à autre chose. Et moi, il m'a beaucoup touchée. En plus, c'est comme un, Merci. c'est ce clip, c'est comme un, bah oui, c'est comme un journal intime.
Et en plus, le montage est super. Il y a une espèce de montée jusqu'à épuisement. Tu te barbouilles de bouffe pour vers la fin. Je crois que tu pars sur une route, si mes souvenirs sont Ouais, bons. mais je pars sur une autre. Alors j'avais la particularité d'être dans un village qui s'appelle la Vacherie, qui s'est un peu tombé par hasard, j'avoue. Et du coup, ça a été pour moi un petit clin d'œil aussi, où voilà, sans dire que ce village est très très mignon, ceci dit. Et c'est vraiment plus pour le nom que pour l'endroit que je vais utiliser. Mais voilà, c'était un peu un symbole aussi de. J'arrête de me nourrir, maintenant je cuisine, en fait. Plus. Ouais. Ça me parle aussi beaucoup. C'est-à-dire, voilà, on a assez emmagasiné de problèmes, d'expériences, de traumas. Maintenant, on prend tous ces ingrédients et on crée quelque chose avec, quoi. Ça me parle beaucoup. Aussi, il y a Ah. l'idée qu'on cultive de ces petits légumes et ensuite on les cuisine. Ça. C'est ça. Et où es-tu sur la Terre en ce moment? Suis sur une île. C'est vrai, Je suis sur une île. Loin de tout. une île déserte. Non, elle n'est pas déserte. Elle n'est pas déserte. Non, non, je suis en Corse actuellement. Voilà, c'est l'endroit d'où je viens. Et du coup, j'ai choisi d'y rentrer pendant ce confinement. Pour être proche des miens, en Parmi fait. les tiens et les tiennes, C'est ça. C'est loin ça. de la capitale. Loin de la capitale. Loin de la capitale et proche de la nature aussi. Même si on n'a pas pu trop sortir jusqu'à maintenant, mais maintenant c'est un peu mieux et voilà. Et comment tu l'as vécu, toi, ce cloîtrement? Est-ce que tu as été hyper productive ou alors tu as été plutôt un peu comme Vox Axxob au début en stupéfaction? Comment tu l'as vécu tout ça? Ça a été par phase, en fait. Ça a été par phase. Ça a été au début, il a fallu que absolument je me mette à faire des choses parce que déjà, je pense que comme beaucoup de gens, je me suis dit c'est le moment de faire des choses, de créer des choses. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivée à épuisement de ces créations, peut-être même un épuisement psychologique. Et puis ensuite, c'est reparti. Ça a été quand même 2 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et j'avais la chance là où j'étais. En fait. Pendant ce confinement, j'avais la chance d'être là où j'étais, et parce que j'étais plutôt bien accompagnée. Maintenant, ouais, ça a été plutôt une psychose ambiante qui a été compliquée à gérer à certains moments. Mais moi, j'ai tendance à l'exprimer par le dessin ou la musique, ces choses-là, et du coup, ça a été un espèce de jet de petites choses qui m'aidaient en fait à continuer à donner des nouvelles aux proches. J'envoyais des blagues dessinées par exemple. Ou Oui, bah, tu m'en as envoyé assez souvent des trucs super rigolos, tout choupi, où tu mets en scène un petit personnage, je pense que c'est toi en fait, qui fait des courses, qui pleure, qui va pas bien, qui fait des dessins complètement what the fuck. Et moi j'étais malade en plus, donc tu m'envoyais ces petits grains de soleil tous les jours et c'était super agréable. C'était vraiment très très choupi d'essayer à ta manière de faire du bien aux autres et même au tout début du confinement, même avant en fait, tu m'avais envoyé les archanges. Te souviens-tu? Je me souviens. Et c'est assez étonnant que tu me les aies envoyés au début. C'était pas prévu que je tombe malade, mais c'était prévu que tu m'envoies les archanges. Et les archanges sont arrivés le mardi soir, pile quand je suis tombée malade. Et je pense que les archanges m'ont accompagnée. Alors attendez, on a un commentaire. Gaëlle Lebras, bonjour, j'ai quitté pour regarder le clip Top et la chanson Mortelle. Je me suis abonnée à la chaîne YouTube du coup. Alors, il faut savoir que Gaëlle Lebras est un Adelphe magnifique qui est là tout le temps
il est en train de rentrer dans notre gang. Merci Gaël d'être ici à chaque fois. En voilà une autre, une personne du gang, Dennis and the Roses. Je te la présente avec ferveur. Et donc, oui, tu m'as envoyé les archanges au tout début du cloîtrement. Et depuis longtemps, je m'intéresse à la magie, à la spiritualité, tout comme toi. Mais je me disais, il faut absolument que je me fasse un autel, il faut absolument que je me fasse un autel. Et pour accueillir les archanges, il nous faut un autel. Et donc, tu m'as permis, les archanges m'ont permis de me faire un petit autel, enfin. Et donc, Et je te quelles sont... remercie une fois de plus de m'avoir. De quoi? Non, j'allais dire, et quelles sensations ça t'a procuré, cette venue-là? Eh bien, en fait, bah, déjà, bon, ça m'a beaucoup aidé, les archanges, parce que je pense que j'avais besoin de parler et comme j'avais très, très peur de la maladie et de tout ce qui se passait, j'avais peur de mourir, j'avais peur d'avoir infecté les gens que j'avais vus avant. Donc, ça m'a vraiment posé et ça m'a permis de mettre mon espoir dans une instance supérieure, je ne sais pas laquelle. Je me souviens qu'une fois, je leur ai parlé à ces archanges et que je me suis mise à pleurer. Non, vraiment, je vous avoue tout. Et que je me suis mise à pleurer mon compagnon dormait et j'étais seule avec ma petite bougie comme ça. En plus, j'ai installé l'autel dans les escaliers, enfin, bon, n'importe quoi. Et donc, j'étais dans les escaliers comme ça, en train de pleurer à chaudes larmes, mais c'était des larmes de réconfort en fait. Il fallait que je pleure parce que depuis le début j'avais retenu mes larmes. Je me disais, oh mais je suis malade, mais je vais pas mourir, mais en fait si, mais en fait non. Et donc bah merci parce que ça m'a permis d'évacuer quoi. Et ça m'a permis de me poser, et puis d'envoyer les archanges à d'autres personnes. Alors j'ai craqué la règle, hein. Je l'ai pas envoyé à trois, mais à quatre personnes. Très grave. En fait, c'est ce principe-là, il est plus en, peu importe en fait que ce soit des archanges, des chamans, des gourous, tout est c'est le pouvoir de l'intention en fait. Que ce soit du yoga ou que ce soit encore autre chose, par exemple, c'est juste le pouvoir de l'intention est quand même assez phénoménal et il y a des aussi le fait d'utiliser des catalyseurs en fait qui sont pour certains justement la musique d'autres des hôtels et ça lague un peu Non, c'est cool. Non, mais je suis je vais complètement d'accord. m'habituer non mais Ah ça en oui, fait il y a au décalage. Oui. ouais je sais pas bon C'est compliqué, hein. essayer Non, mais ouais. c'est pas grave. Hier, on a fait pareil et on a recommencé une autre fois et ça continuait. Donc, mais c'est la D'accord. distance. C'est la distance. Tu es sur ton île. Tu es sur ton île. C'est normal. Tu es loin de nous. On est loin de toi. Tu es perdu sur ton île déserte de beauté. D'ailleurs, un jour, il faudrait vraiment que je vienne en Corse. Déjà pour résider ça et puis crapahuter. Tu es bienvenue chez moi. Volontiers. Et alors, quelle est la suite du programme pour notre cher Dennis and the Roses? Qu'est-ce qui va se Alors, passer? la suite du programme, c'est qu'il y a un nouveau single qui sort le 29 mai. Yes. Qui s'appelle Burn It All. Qui a été écrit en 2018 et qui a été fait en 2019 aussi. Donc, tout ça pour dire aussi que ça s'était pas fait pendant ce confinement. Mais en fait, j'avais prévu de le sortir là et j'ai décidé de continuer à le sortir comme prévu et ça a un peu de sens aussi ça tombe un peu bien d'un point de vue du sens Ah oui, je alors pense justement, est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce que cette chanson veut dire? Et après tout ce qui s'est passé et cette crise, qu'est-ce que ça évoque? Bon, ce après, moi, je dis ça, mais morceau. je le sais, mais je suis fan de votre musique, chère Denise. Donc voilà, je pourrais en parler, mais j'ai envie de vous laisser parler quand même. D'accord. Ce morceau, il parle d'un cycle. Il parle de cycle en général, du fait de construire, de tout détruire et de recommencer.
En fait, il m'a été inspiré par. Je suis tombée sur une phrase de Basquiat, lors d'une expo qui avait été faite au Barbican à Londres il y a quelques années. Et la phrase c'était "Pay for a soup, build a fort, set that on fire." Est-ce que Et tu cette pourrais phrase, le elle est. traduire en français? Alors, si je traduis Est-ce que en tu pourrais français, la dire en français? ouais. Alors, en français, c'est donc payer pour une soupe, acheter une soupe, construire un fort, quelque chose qui nous protège, quoi, et mettre le feu à tout ça. Et cette phrase, elle est restée ancrée profondément dans ma tête pendant plusieurs années, parce qu'en fait, on se rend compte que dans la vie courante, dans notre quotidien, dans n'importe quel travail, dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quelle relation, tout est sous forme de cycle, donc j'enfonce des portes ouvertes, mais il y a un aspect de deuil qui est nécessaire pour recommencer encore. Et en fait, Burn It All, ça parle de ça, ça parle de construire quelque chose, construire un foyer, par exemple, de tout envoyer bouler parce que c'est une période de vie ou parce que c'est la crise de la quarantaine ou parce que il y a plein de choses qui se passent et de recommencer à nouveau. Et il y a un peu un appel à ne pas avoir peur de ça. Ne pas avoir peur de ça, en fait, ne pas avoir peur de prendre des risques, parce que on incarne cette vie-là. En fait, on a choisi d'incarner cette vie-là qu'une seule fois. Peut-être qu'on en incarnera d'autres, mais voilà. Pour le coup, c'est apprendre à lâcher certaines choses. Et dans cette période, je trouve ça intéressant. En tout cas, ça l'est pour moi et ça fait écho dans mon quotidien de me dire il y a des choses que je laisse de côté, d'une part par exemple du point de vue de ma consommation personnelle de vêtements, de bouffe, voilà tout ça. Moi qui adore manger même un peu trop parfois, donc il y a des choses comme ça qui sont que j'essaie de lâcher. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de se séparer de certaines choses qui, en fait, on se rend compte qu'elles nous manquent vraiment. Et voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Je n'ai pas trop digressé. J'ai tendance à Mais non, mais partir. c'est génial. Si tu savais, il y a eu des discussions profondes, bah, justement ce matin, Julie Gamme de Créalliance. Je ne sais pas si elle est là, parce que je vois que Créalliance s'est joint à ce direct. On a parlé quasiment 2 heures, hier aussi avec Marie-Myriam, aussi avec Etout. Avec Rosie-Marie, on a été assez rapide, mais je pense que c'est parce que c'était la première de la semaine et j'étais dans un. Voilà, elle est là. Et on était dans un. C'était le déconfinement, on était. Bon, allez, on se speed et tout. Et en fait, là, c'est la fin de la semaine et on laisse les mots se couler. Et alors, c'est marrant que tu parles de cycle, car toutes les personnes de cette semaine ont parlé de cycle. On a parlé de cycle avec Julie ce matin. Hier, on a parlé de cycle avec Marie-Myriam. On parlait des cycles de la Lune, la spiritualité, le cosmos, les menstrues. Avec Etout aussi, on parlait de cycle parce que lui, pendant le confinement, il a fait tout un truc créatif et il a envie de terminer ça pour recommencer à quelque chose ensuite. Et avec Rosie-Marie aussi, on a parlé de cycle. Donc c'est assez marrant ce qui revient à chaque fois. C'est peut-être un petit peu. Et je pense qu'aussi on parlera de cycle demain avec Laura et lundi avec Francoeur. Donc c'est peut-être ça ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être la fin d'un cycle, le décloîtrement. Et il faut absolument qu'on entre dans un nouveau cycle et ta chanson va nous accompagner. Voilà, on va tout déconstruire, on va foutre le feu. Ouais, faudra faire attention. Dommages collatéraux, mais effectivement. Ouais, puis Ah le mais feu. le feu purifie, hein. Le feu purifie. Moi je sais que je brûle pas mal de prières et ça nous fait du bien. Ouais, exactement. C'est ça. Et tu t'es baladée dans la nature, donc tu m'as dit que tu t'étais pas baladée dans la nature trop là. Si, je me suis un petit peu baladée quand même, je me suis octroyée ça. Mais c'est en fait, c'est.
qui s'est passé dans ma tête pendant ce confinement, c'est quand on m'a dit de ne pas sortir. Il y a eu un moment donné où j'ai voulu enfreindre les règles, et puis il y a un moment donné où je les ai un peu trop appliquées. C'est-à-dire que je me disais que c'était vraiment interdit de sortir, et que voilà, que je ne respectais pas la loi si je sortais. Et ça m'a un peu rendu dingue. Donc là, du coup, oui, effectivement, je prends le temps de sortir un petit peu, et c'est d'aller un petit peu dans le Maquis et dans les montagnes qui est à côté, pas trop haut non plus, parce que j'ai pas l'endurance pour encore. On n'a Mais plus l'endurance en on fait. a plus On n'a plus, on a tout perdu. suis pas assez entraînée, mais c'est quand même assez agréable, hein, pour le coup. Y a Élise qui nous a rejoint. Je ne sais pas si tu es encore là, Élise. Élise qui est à Florence. Ah. Coucou Élise. Grande bassiste, grande artiste aussi. Je l'attends Ben pour une oui. discussion profonde en direct de Florence. D'ailleurs, c'est grâce à Élise que j'ai eu en avance des news de ce corona et cela m'a permis de me préparer psychologiquement à ce qui nous attendait. D'accord. Ben oui, parce que j'avais les nouvelles d'Élise. Est-ce que tu as préparé une petite prière, chère Rosa? Alors, écoute, il y a plein de trucs qui m'ont traversé. Je me suis dit, je vais demander ça, et puis je vais demander ça, et puis je vais prier pour ça. Hey, tu peux faire un combo fatal, tu peux dire que toutes mes prières s'exaucent. Écoute, ouais, que toutes mes prières s'exaucent. Ça peut être ça. Ça peut être que toutes mes prières s'exaucent. Non, que toutes nos prières s'exaucent, peut-être. Parce que je ne suis pas la seule. Non, c'est toi qui vois, mais c'était une blague, hein, c'était une blague. Tu fais ce que tu veux, ma chère. Écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait souhaiter, qu'on pourrait dire et qu'on pourrait essayer de d'exorciser. Je pense que si on a une qui me vient, je pense qu'elle sera assez générale, et du coup elle risque de faire un peu Miss France peut-être, mais tu sais Écoute, tu ce sais, moment. j'ai des prêts. Oh, tiens, regarde. Hey, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai pas fait exprès. Ah. D'accord? Je me suis retournée pour prendre au hasard une prière. Je me suis retournée et la première que j'ai vue, je n'ai pas fait exprès, je te le promets. La première que j'ai vue, c'est celle-là. Bon, elle est à l'envers. Hein. Ok, Oui, attends, je vais te je m'en la mettre. souviens. Je vais vous la mettre. Comment on peut le faire? Comme ça. Normalement. Oups. Oui, bon, c'est tout un truc. Hein, c'est le cabinet de sorcière de. Est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez. Ouais. Tout est là, ici, est avec le S barré maintenant. Alors, le S Et c'est barré, faut toi qui l'avais savoir. faite, hein? Ouais. C'est moi qui l'avais faite à une de tes représentations, Cérémonie. de tes cérémonies, une de tes cérémonies, pardon. N'y a pas de Et souci. du coup, et non, mais c'est juste que par contre, j'étais en train de d'écrire, et j'étais à fond dans mon truc, et à un moment donné, je pense que j'ai pensé à autre chose, et le E est devenu un E, et donc il y a eu un S au milieu, et je me suis dit, mais ça s'écrit pas comme ça, et je l'ai barré. Donc c'est plutôt, Mais en fait, tout est là elle est ici et géniale, maintenant. elle est géniale. Ben oui, mais je trouve justement que c'est super, c'est le point de rencontre du temps et de l'espace. Et c'est enfin, c'est ça, quoi, comme si on est au centre de toute chose et on n'est rien au milieu de toute chose non plus, quoi. Exact. Au final, c'est une. Mais ça veut dire beaucoup aussi, dit Créalliance. Alliance. Mais oui, mais oui, mais oui. Des fois, les erreurs et les accidents créent de grandes vérités. Sûrement, peut-être, oui. Mais alors, ben, tu sais quoi, je pense que je vais te laisser celle-ci. Et puis, à moins que tu envoies une nouvelle. De quoi? À moins que tu veuilles une nouvelle Ah prière. non, j'en veux.
j'en veux une nouvelle. Alors, ceci dit, Rosie, mardi m'a fait une prière et elle a dit exactement la même qu'elle avait déjà donnée à une cérémonie. Tu vois? D'accord. Ok. Écoute, il y en a une qui me vient en tête, mais et je vais la dire sans complexe et en l'assumant complètement, c'est trouver sa voix, tu vois, par exemple. Alors, c'est sa Yeah. voix E ou c'est sa voix X? C'est les deux, c'est le X barré. Écoute, on va essayer de trouver, on va essayer de faire quelque chose. Alors, je vais l'écrire. Je vais l'écrire. Trouver. Y a des gens ici, Alors, ça parle après, aussi. je... Ah, bah oui, c'est Julie, donc de Créer Alliance. Donc, Créer Alliance, c'est un très très beau projet de Ouais. témoignage d'artistes. Je ne sais pas J'ai si vu le tu l'as fait. projet. Je ne l'ai pas fait, mais je l'ai vu et je pense bien le faire. Enfin, Ah, c'était très 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 chouette cette discussion de ce matin. On a été très très loin et on rebondissait et elle disait la même chose ce matin. D'accord. Je te dis, c'est que des fils qui se connectent. Et trouver, c'est fou. Trouver ça. Alors, je vais essayer de faire un EX. Alors, comment je peux faire ça? Ah, je sais. Si tu fais le E et que tu barres le E et que ça fait un X, tu vois ce que je veux Ben, j'ai fait un. J'ai pas barré parce que je voulais pas barrer. Mais j'ai fait un truc un peu comme ça là. Ouais. Ça va? C'est ça, c'est pas mal. Ça C'est fait une pas mal. espèce de rune, on dirait un petit F, on dirait une chaise de réalisateur ou de réalisatrice sur un tournage. Ouais, Je sais pas pourquoi je impact. dis ça. On dirait une chaise. Eh Je bien, c'est marrant, mais trouver sa voie, c'est vraiment, et justement, ce jeu sur la voie, le chemin et la voie, la comment dire, la voix, parler ou chanter, c'est vraiment un truc qui m'a toujours suivi toute ma vie, quoi. J'ai l'impression que je n'arrêterai jamais de chercher quelque chose. Ça te parle aussi? Ben, alors de chercher quelque chose, je te comprends dans ce sens-là, mais en fait, je pense que ce quelque chose, il y a déjà. Et qu'on le cherche éperdument, mais qu'en réalité, enfin, en assistant aux cérémonies de Vox Axob, il y a une vibration et il y a quelque chose qui nous amène beaucoup plus loin, en fait. Et je pense que n'importe qui assiste, même s'il vient là par hasard, en fait, se laisse transporter par la voix, par les vibrations et par la voix mise en avant de toutes les cérémonies, aussi les textes. Mais en fait, on a dans la voix, on a déjà beaucoup de solutions. Je m'attendais pas à ce que tu parles de ça, mais oui, d'accord, je prends, Voilà. merci. Alors, mais en Pardon. fait, peut-être que dans chaque concert d'un artiste, quand l'artiste est ancré et justement fait ce travail d'antenne et donc crée cet instant où le temps s'arrête, où tout est là, ici et maintenant. Peut-être justement que l'artiste et le public rentrent en communion pour révéler en fait nos voix, alors que ce soit la voix, le chemin ou les voix parlées ou chantées en fait. Oui, c'est ça. C'est une manière. La voix est un médium et un outil qui véhicule énormément d'émotions, énormément de choses. Et en fait, à partir du moment où on l'a fait partir des tripes, en fait, il y a des formes de chants thérapeutiques de toute façon qui existent beaucoup, enfin des chants même ancestraux, etc. Et chaque sorcier et sorcière est souvent amené à travailler avec sa voix pour guérir, pour aider à guérir. Voilà. Donc c'est un médium important. Et en fait, c'est pas une question de c'est aussi en ça, c'est-à-dire que même quelqu'un, par exemple, tu vois, je vais prendre quelqu'un qui te dit je ne sais pas chanter, je chante faux,
Il y a en fait une voix quelque part. C'est ça qui m'a toujours sidéré avec cet instrument, qui est un instrument, mais en même temps quelque chose de complètement intrinsèque, qui est en nous. C'est que il y a toujours une justesse en fait quelque part. C'est pas une question de bonne note. C'est une question de vibration et c'est une question de ressenti aussi. Après, bien sûr qu'il y a des prouesses techniques qui sont fabuleuses et qu'il y a, mais chacun a sa propre voix en fait. Et il faut se dire qu'on est tous capables de l'exploiter, peu importe comment. Et le discours, de toute façon, les discours qu'on a avec les discussions qu'on peut avoir avec les gens, c'est le ton de voix qui va gérer en fait l'émotion qui va traverser, véhiculer l'émotion et du coup c'est à prendre en compte. On ne réalise pas forcément en fait. Voilà. Je suis tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'aime beaucoup parler avec toi aussi parce que tu as cette voix-là quand tu parles. Et ce matin aussi, Julie de Créalliance a aussi une voix très particulière. Et j'aime les voix en général. Et d'ailleurs, il y a Gaëlle Lebras qui dit, en soirée hier, j'ai sorti cette phrase avec ce mot dans les deux sens du terme. Je me retrouve dans ce double sens. Merci pour cette prière. Bah de rien, Gaëlle, Non, mais volontiers. avec Gaël, on est connectés. Hein. Il fait partie du gang maintenant. Alors, il nous dit que c'est comme dans les concerts, les belles voix du public ne prennent pas le dessus, c'est l'ensemble du public qui s'harmonise. Oui, c'est vrai. C'est vrai quand le public se met à chanter. D'ailleurs, c'est quelque chose de super quand tu as des artistes sur scène qui font ça très bien. Alors, à gauche, vous faites ouh, ouh, ouh. Et vous à droite, vous faites ah. C'était Bobby McFerrin. Je ne sais pas si tu as vu certains de ces retranscriptions de concerts. Bobby McFerrin Non. qui fait. Oh, mais c'est super, il fait chanter public. Alors, bien entendu, comme Bobby McFerrin, c'est un super chanteur, il y a beaucoup de chanteurs qui assistent à ces concerts. Donc, ça donne des publics très sans fausses notes, mais c'est magnifique. Il joue du piano avec ses pieds en faisant chanter les notes, en fait, sur la pentatonique, par exemple. Ou D'accord. alors, il nous fait chanter l'Ave Maria, ou alors, il divise la salle en plusieurs parties et on chante comme ça. Et je te conseille vraiment de regarder les concerts de Bobby McFerrin. En plus, il fait souvent venir des gens du public sur scène pour chanter. OK. Et à chaque fois qu'il se déplace dans un pays, il appelle. Il invite un ou une artiste du pays à faire quelque chose sur le comme ça et il est super, c'est vraiment il est magique. Et aussi quand il était très très jeune dans les années 80, il a fait tout un spectacle alors là c'est du grand n'importe quoi et c'est super, mais toujours sur la voix, voilà. Ok. Bobby McFerrin. Je vais regarder ça. Oui, je te le conseille. Alors chère Rosa, est-ce que tu sais, des fois, dans les discussions profondes, je demande aux âmes enchantées qui sont invitées si elles ont un tuto fin du monde. Est-ce que tu en as un? Ou un conseil Alors, je t'avoue que j'y ai réfléchi. Je sais pas si t'as eu déjà, enfin si t'as eu ça pendant cette période-là, mais moi je me suis beaucoup parlé à moi-même dans les périodes d'isolement, c'est compliqué. Et j'ai trouvé il y a tout à l'heure en fait un outil qui je pense m'aurait bien servi pendant ce confinement, c'est celui-là. Voilà, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une bague C'est une bague. C'est une bague avec des yeux. avec des yeux. Oh, parce que tu fais l'animal comme ça? C'est ça? Alors, je conseille à chacun de se fabriquer, parce que je pense que là, c'est un objet en tant que tel, mais je pense que c'est assez facile de le fabriquer au final. Voilà, donc c'est mon conseil confinement. Attends. Voilà. Moi aussi, je peux le faire. C'est ça.
Mais tu sais que j'ai une blague que je sors depuis l'enfance là-dessus. Si tu veux, je te la sors. Tu veux faire, on va faire un petit instant. Faisons Donc, un petit instant blague. ok. Un petit instant blague, et c'est vraiment, ça rejoint ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que tu parles à ta main, tu parles toi-même. Alors, tu sens pas bon de la bouche. Tu sens pas bon de la bouche. Tu sens pas bon de la bouche. Quoi? Vox Axel goes crazy. Non mais c'est ça, c'est toujours Donc tu t'es parlé à... ben c'est ouais, Tu c'est t'es un peu parlé à toi-même en fait. tu te parles à toi-même, c'est tu matérialises ta conscience là-dedans, là tu te dis que en fait il y a la conscience, c'est ça, et donc du coup tu lui dis mais qu'est-ce que tu ferais dans ces cas-là? Il va forcément répondre quelque chose. C'est peut-être un moyen de Et... ton instinct aussi, je sais pas, ou d'amuser la galerie, ou je sais pas. Voilà, c'était Donc si je résume le tuto fin du monde de Dungeons and Roses, c'est de se parler à soi-même et de faire comme seul au bout du monde, non, avec Tom Hanks, qui lui ouais, parlait seul au monde. seul au monde à un ballon de football qu'il avait transformé en bonhomme. Alors il y a Julie qui nous dit, je faisais celle de la patate dans l'oreille, moi. La Ok, patate. je Ah sais pas, je oui, la connais pas. banane. Mais tu vois pas que j'ai une banane dans l'oreille? Oui. Donc, D'accord. ah mais j'adore ce tuto fin du monde. Parlez à vous-même, entrez en discussion avec vous-même. Et ton petit bonhomme, tu lui donnes des voix particulières? Non, pas vraiment. Je devrais peut-être. Marjorie. C'est ça. Les boîtes gizmo, tu sais. Enfin, comme ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Idée de clip, hein. Moi je dis idée de clip. Exactement. Je pense que ce personnage-là va faire un peu, à un moment donné, apparition. Un peu comme Dans Amélie Poulain, tu sais, cet objet que tu retrouves partout, c'est. C'est le Je nain sais de plus qui. jardin? C'est le nain de jardin, c'est ça. Ça va être mon nain de jardin. Dans chaque décor, on va retrouver ce petit bonhomme. Voilà. J'adore, 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 j'adore. Et Est-ce que qui tu n'empêche veux, pas de jouer est-ce que de la tu guitare, voudrais, hein, sûrement. oui, Attention, ça n'empêche pas de jouer de la comment? guitare. J'ai essayé tout à l'heure. Il n'empêche pas de jouer de la guitare, celui-là. Donc, voilà. Eh ben, justement, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu voudrais pas nous faire un petit morceau, chère Denise? Écoute, avec plaisir. Est-ce que je garde les écouteurs? Ouais! Bah. S'il y a un problème, si tu vois que je fais ça, c'est qu'il y a un problème, d'accord? D'accord, ok. Ça marche. Je vais de toute façon enlever ça. Alors, le morceau, tu m'entends? Oui. Alors, le morceau, c'est justement Breakfast After Midnight, en version solo, évidemment. Voilà. C'est la première fois que je tiens à dire juste que c'est la première fois que je joue en stream comme ça, en live Instagram. Donc je sais pas, ça a tendance à attirer quelque part. Thank you.
Ça coupait des fois, mais il y avait un côté cracra à cause du son. Mais Ah. Ça, c'est non, mais en fait, c'était super rock'n'roll de faire avec les petits problèmes techniques. C'était Ah trop ouais? cool. D'ailleurs, il y a Gaëlle qui a dit trop cool la version live. Il y a Créalliance qui a dit superbe. Et il y a Docteur Lapsus qui te fait un petit bisou avec un cœur. Et il y a Franck Dub qui fait coucou. Alors ouais, coucou Franck. Et plein de petits clap-clap. Ah, c'était trop chouette. Ah bah de toute façon, moi je t'ai déjà vu plein de fois en concert et enfin j'adore. Mais c'est vrai que là c'est marrant de te voir en live malgré les petits glitches techniques, c'était trop cool. Merci. Écoute, oui, À bah, refaire. c'est ouais. Ouais. Mais justement, c'est peut-être une solution à laquelle je vais faire appel après la sortie du prochain single parce que ça risque d'être compliqué, hein, la scène aujourd'hui, là, tout ce qui se passe. Tu m'étonnes. Donc Il y a voilà, Gaël qui mais. fait ça donne un. Il dit ça donne un petit côté grunge du coup. Bah oui, c'est ça. Le fait qu'il y ait le glitch technique, effectivement. D'accord, ok. Mais oui, bah du coup, ouais, je disons que là, j'ai fait mon baptême streaming Instagram. Ah oui, en plus, c'est un merci. baptême avec Voxaxov religieux, tu vois. Je t'ai baptisée. Tiens, je t'envoie de la poussière de baptême. Ah, et puis on va l'archiver, si tu le veux bien, cette discussion profonde. Avec plaisir. On va la garder. Et, en plus, on n'a eu aucun problème technique, tout s'est bien passé, on a parlé de cycles, on a parlé d'archanges, de spiritualité, de déconstruire pour tout reconstruire. Aïe, 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 c'était beau. J'ai hâte de vous revoir dans la vraie vie, chère Rosa, quand même. Ah bah oui, moi aussi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on m'a posé une question là récemment sur, tu sais, la différence entre le streaming et le live et si les musiciens arrivaient à aménager justement sur le digital
Il y a quand même un gros manque avec le présentiel, même quand on parle aux gens, même si on a des nouvelles en visio, même si on donne des concerts en streaming, même si c'est quand même important en fait une salle de concert. Enfin, c'est vraiment il faut garder en fait au même titre qu'on a besoin de voir ses proches, même à 1 mètre de distance. Mais oui, c'est une salle de concert, une salle de théâtre, tu vois. Et on n'a pas créé ça pour rien en fait. On n'a pas créé ça pour juste en faire un on n'a pas créé ça pour une industrie. On a créé ça à la base parce que les gens rentraient dans une atmosphère et étaient imprégnés d'une atmosphère, et c'est hyper important de le garder. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Il y a Voilà. Créalliance qui nous dit on est d'accord, ça manque de vibration. Ouais, bien sûr. C'est ça en fait. Ouais. Après, je pense qu'il y a quand même des vibrations qui se font derrière les écrans. Moi, je sais que des fois, j'ai demandé des tirages de tarot à des gens qui sont très très loin. Donc, je pense que les vibrations passent aussi. Mais c'est vrai que pour nos cœurs et pour nos âmes et pour nos esprits, on a besoin de vibrations que l'on ressent physiquement. C'est clair que. Ouais. Et qui font appel à tous les sens auxquels on est en possession, quoi. Ouais. On est d'accord, chère Rosa. Oui, et puis au-delà On de est ça, c'est d'accord, chère de. Créalliance. Oui, carrément. Mais au-delà de ça, ce sont des lieux Oui. de rencontre aussi, tu vois. Ce sont des lieux de rencontre. On s'est rencontrés à un concert, rappelle-toi. Je suis venue te voir à un concert. Alors, pas Vox Saxon, mais Charlotte. Moi, je me souviens juste de SoundCloud, tu vois. Je me Mais souviens c'était la qu'avec ton suite. ancien groupe, C'est ça, mais c'était la suite de vous SoundCloud, étiez en fait. venu à un concert? Exactement. On est venu vous voir en concert et on vous a parlé après. Et ça a été. C'est ça, C'était en fait. C'est lequel, de. tu te souviens? C'était à l'international. Je me souviens bien. Ça y est, je me rappelle. Ça y est, je me rappelle. Excuse-moi, j'en ai fait beaucoup et vu que j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, maintenant je me souviens juste de SoundCloud, que tu nous avais envoyé un message et basta, je me souviens juste de ça. Et qu'après on s'était vus, mais c'est tout quoi. En plus, après les concerts, beaucoup de gens te parlent et c'est pas si simple. Oh, il y a Daphné qui est là. Bonjour Daphné. Bonjour. De ce que je comprends, les vibrations finissent par ne plus dépendre de notions de distance et de temps. On y revient. Tout est là, ici et maintenant. C'est ça. Ouais. Là 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 là. Eh bien, dis donc, je pense que. Je vais voir combien de temps il nous reste. J'ai ma petite montre à gousset. Oui, bah c'est bientôt. L'heure se termine bientôt. Ça va très vite, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est passé très très vite. C'est passé très très vite. Et c'était très intéressant, je trouve, de parler avec toi, avec Voxexo. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? On peut C'est comprendre ainsi qu'on peut comprendre. que les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu. Ah oui, là carrément, on est dans le domaine de la guérison. Bah oui. Ah oui. On parle des Les guérisseurs. guérisseurs qui font ça à distance, ouais, les guérisseurs qui font ça à distance, que ce soit les coupeurs de feu ou les. Oui, les. Oui. Mais oui, Daphné, mais oui. Eh bien, je vous propose, chère Daphné, chère Rosa, de nous retrouver très bien vite dans la réalité pour faire des cercles de guérison. Avec plaisir. J'apporterai Ma chère Rosa, merci d'être venue dans ce temple. Merci. Mais de rien. Merci à toi. Salutations. À bientôt. Merci. À très vite. À très À très vite. vite. Au revoir. Au revoir.